Coucou tout le monde. Moi, petit mot par rapport aux réseaux sociaux en ce moment. J'y vais plus trop. Enfin, plus trop. J'essaie un petit peu de passer rapidement certaines choses parce que j'ai l'impression que ça part complètement en sucette, quoi. J'ai l'impression, mais déjà, ça date pas d'il y a peu de temps. Mais il y a peu de temps, depuis quelques jours, là, je trouve que c'est particulièrement accentué. Mais je trouve que depuis quelques semaines, quelques mois, on voit vraiment de tout passer sur les réseaux. Et il y a des choses qui peuvent faire mal au cœur des fois. Et là, en l'occurrence, j'ai allumé mon téléphone ce matin, je me suis dit, mais ça part en cacahuète, ça part complètement en sucette. Ouais. En plus de ça, j'ai pas forcément le moral hein, en ce moment. J'ai un peu le moral dans les baskets parce que bah, mon chéri me manque pour d'autres petites raisons. Je suis très up and down par contre. Hein. C'est-à-dire que autant je peux aller bien mal là, et autant dans 2 heures, je vais bien. C'est trop bien. Hey les amis, écoutez-moi très attentivement, c'est bel et bien mon snap. Mon snap vient de sauter à l'instant T pour rien du tout parce que je vous ai évoqué là, à l'instant T le sujet là. Je suis vraiment choqué. Depuis des heures, je suis choqué. Là maintenant, je vous ai évoqué le sujet. Comme par hasard, mon snap il a sauté. Je comprends pas pourquoi. Sachez que les blogueurs, je pense vous les avez tous reçus là. Désolé, carrément, j'en perds mes mots parce que. Ce genre de situation, j'ai vécu. Ce genre de vidéo, j'ai vécu. Et ce qui me fait chier, c'est que là maintenant, bah là au final, les blogueurs, ils ont reçu la vidéo. Je suis pas le seul à l'avoir vue. Tout le monde l'a vue. Ce genre de vidéo, elle va circuler et ça va toujours circuler. Et ça circulera toujours. Mais le problème, c'est que c'est mauvais parce que moi, j'ai vécu ça. Je sais qu'il y a une vidéo de moi qui a déjà vécu ça qui circule entre candidats de télé-réalité et j'aimerais réellement pas qu'elle sorte au grand public, tu vois. Donc faut pas circuler ce genre de vidéo. Maintenant, je vous dis la vérité, ça me fait vraiment chier. Ça me fait vraiment, vraiment chier parce que c'est trop. Ça part trop en couille là. Ça fait les amigos, les problèmes comme Ilan ou peu n'importe quelle personne publique qui vit ce genre de situation, ça se règle à la justice, dans un commissariat ou dans un tribunal, mais pas sur TPNP. Regardez, au final, les gens se font taper dessus. Les amis, quand j'ai fait le lanceur d'alerte avec le sujet que vous connaissez tant là, en 2018, il y avait des preuves. C'est-à-dire que moi, j'ai été touché par l'affaire déjà. C'est-à-dire que moi, j'étais un gamin de 18 ans qui était choqué d'apprendre tout ça, qui a exposé des audios, des photos, des vidéos. Là, on est en 2021. Et je fais même pas cette story pour défendre Ilan ou vous dire ouais Ilan c'est pas un pointeur, ouais Ilan c'est pas ci, ouais Ilan c'est pas ça, parce que c'est entre lui et Dieu, y a que eux qui savent la vérité, moi je suis pas là pour dire ouais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le problème c'est qu'on n'a pas vu de preuves, c'est-à-dire que là, nous sommes dans une situation où c'est parti tellement loin, sans preuves. Maintenant, les amigos, la fameuse version d'Alix, c'est ce que je viens de vous sortir, la fameuse vidéo, hein. Mais en aucun cas il y a eu des pleurs, en aucun cas il y a eu des tirages de cheveux comme elle prétendait sur le plateau de TPNP. Libre à vous de me croire, mais en tout cas, les amigos, moi ce que je peux vous confirmer, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je suis sûr, c'est que la vidéo là dont je vous parle de Sebi Daddy et Hélène avec les meufs, tôt ou tard elle sortira. Et en aucun cas c'est du viol. Pour nous, quand on voit la vidéo, pour les gens lambda, certes, c'est une vidéo choquante, on peut qualifier ça de harcèlement sexuel, mais en aucun cas, c'est du viol, en aucun cas, il l'a forcé, en aucun cas, elle pleure, en aucun cas, il viole. Et là, vous allez vous dire, ouais, pourquoi t'es en mode à fond sur le sujet, il est 7 h du matin, tu dors toujours pas, tu parles de ça? Eh, j'ai quand même vu une vidéo de Ilan avec une tête ensanglantée à cause d'une pierre. Et pour les personnes qui disent ouais, c'est un coup monté d'Ilan, pause. Je pense qu'il
Faut rester un petit peu rationnel. Là, on n'est pas dans un délire de bisounours. Le mec, il s'est fait marbrer. Pourquoi la vidéo Dylan, je la crois? Parce que moi, ça fait maintenant 1 an et demi que ça m'est arrivé. 1 an et demi qu'on m'est filmé. Et maintenant, ça fait 1 an et demi que j'ai digéré.